Bienvenue au Café de la Vérité. Ce soir, nous allons aller faire un tour chez les Témoins de Jéhovah. On va regarder ensemble ce que leur Bible dit et ce que la vraie Bible qui n'a pas été modifiée dit. On va voir, ils ont modifié la Bible tellement qu'ils ont même perdu le droit de l'appeler Bible. C'est le livre saint. Ils passent des heures à étudier, à pratiquer quoi faire pour vendre leur publication. Ils reçoivent un bon enseignement de vendeur. Ils lisent la Bible que par les bulletins de la société. Donc, ça, là, ils ne rouvrent pas. Ils rouvrent ce qu'ils reçoivent. Ils se prétendent les seuls à donner la lumière pour la comprendre. Donc, toutes nous, ceux qui lisons la parole, ceux qui vivons selon la parole, on n'est pas assez brillants pour la comprendre. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à la comprendre. Mais eux, ils disent que seulement eux. Et on va voir tantôt que la vérité est autre. Nous, on va regarder la vérité par la Bible et non par une secte. Le fondateur Charles Taze Russell, né en 1852 à Pittsburgh, élevé dans la religion presbytérienne, à l'adulte, il a changé pour aller chez les Adventistes. Mais pour lui, ça ne faisait pas. Parce que pour lui, l'enfer, c'est faux. Pour lui, la fin du monde était déjà proche. Et nous, on l'est proche, mais eux autres étaient loin. Il se retire des Adventistes en 1870 et avec son épouse, ils fondent la tour de garde. Il vint l'idée dans plusieurs villes aux États-Unis. Il meurt en 1912. Il était remplacé par Joseph Franklin Rutherford, qui lui a pris en charge et a changé le nom pour Témoins de Jéhovah. Un aperçu de la doctrine. La négation de la Trinité. Pour eux, la Trinité n'existe pas. Pourtant, Matthieu 28, 19 nous dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple et baptisez-les à quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je crois que c'est une Trinité, ça. Une autre négation, c'est Jésus. Pour eux, Jésus est l'archange Michael. Il n'est pas le Fils de Dieu. Mais dans 1 Jean 2, 23, tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui connaît le Père connaît le Fils. Donc, ça ne va pas bien, les affaires. La négation de la divinité. Donc, c'est sûr que Jésus était un ange, il n'est pas divin. Et aussi la personnalité du Saint-Esprit. Parce que selon eux, c'est eux autres qui éclairent le monde, ce n'est pas l'Esprit Saint. La mortalité de l'âme. Donc, notre âme, elle meurt. La négation de l'enfer. Pourtant, dans Matthieu 23, 33, Jésus dit, « Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez, quoi, le châtiment de l'enfer ou la géhenne qui est un synonyme? Pour eux, l'enfer équivaut à la tombe. Quand tu meurs, c'est là, tu es rendu en enfer. Tu es rendu dans la tombe, puis c'est là. »
La résurrection de Jésus est spirituelle. Il n'est pas résurré, il n'est pas revenu, il n'est pas ressuscité avec un corps. Il était seulement spirituel. Pour eux, Jésus est revenu en 1914 de façon spirituelle. Christ n'est pas mort sur une croix pour eux, il est mort sur un poteau. Donc, il n'y avait pas les bras de même, hein? Sur le poteau, je ne sais pas si c'était le même ou... Mais il n'est pas mort sur une croix. La terre, pour eux, est éternelle et jamais qu'elle sera détruite. Apocalypse 21:1. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et les mers n'existaient plus. Donc, s'ils ont disparu, ils ont été détruits. Ils ont été remplacés par un autre. Il n'y a aucune certitude du salut chez les témoins de Jéhovah. L'obligation aux membres de se faire baptiser et de propager la doctrine. Le rejet de toute transfusion sanguine, car selon eux, le sang est l'âme du corps. Donc, on ne peut pas avoir l'âme d'un autre. Fait qu'il ne faut pas prendre des... On est mieux mourir que d'avoir du sang d'un autre. Aucun service militaire. Les fêtes, les anniversaires sont sataniques. Même les fêtes chrétiennes, c'est satanique. Le temps des miracles est du passé. Si un miracle, quelque part, ça vient du diable, pas de Dieu. Le mensonge est toléré. C'est un procédé de guerre théocratique. Donc, tu as le droit de mentir pour faire avancer ta croyance. Pour eux, nous sommes déjà dans le millénium et depuis plusieurs années. Leur livre saint, comme je disais tantôt, n'est pas une Bible. Trop modifiée, ils n'ont même pas le droit de l'appeler une Bible. Et, mais ça, c'est une Bible. Dans 2 Pierre 3:16, il a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ses sujets, certes, il s'est trouvé des passages difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affinées déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine et d'autres textes de l'Écriture. Or, on nous dit que les gens vont modifier la parole. On voit très bien que c'est fait avec eux, c'est fait avec les catholiques et quelques autres sectes. Donc, c'est pas seulement eux, mais plusieurs ont modifié. Dans Exode 3, 14. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Le « je suis », c'est Jésus. Dans la version des témoins de Jéhovah, ils ont changé. Exode 3, 14, dans leur version à eux. Alors Dieu dit à Moïse, je deviendrai ce que je décidais devenir. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je deviendrai m'a envoyé vers vous. En Jean 8, Jésus dévoile sa divinité pour ceux qu'il est un ange. Donc, Jésus dévoile qu'il est le Fils de Dieu. Mais eux, regardent comment ils travaillent la parole là, pour éviter de dire que Jésus
est vraiment le Fils de Dieu. Là. Il est tout sauf ça. Dans Jean 1:1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Chez les témoins de Jéhovah, on chante ça aussi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Mais là, ils ont mis un petit dé au lieu d'un grand dé. Parce que s'ils mettent un grand dé, ils sont obligés de dire que Jésus est Dieu. Et là, c'est juste un petit Dieu. C'est pas grand-chose. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. J'éprouve les reins. Cela pour me rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses actions. Donc, Jésus sonde nos cœurs. Apocalypse 2, 18. Écris aussi à l'ange de Thyatire. Voici, dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à du cuivre très fin. Au 23, je le ferai mourir ses enfants de toutes les églises connaîtront que je suis le seul. Les reins, les cœurs, que je sonde les cœurs et les reins. Donc, c'est Jésus qui nous sonde. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est très clair. Il est le Dieu de l'Ancien Testament, Jésus. Il n'est pas un petit dé, il est un grand dé. Isaïe 9, 6. Ici, Jésus est tout puissant. Car un enfant nous est né. Un fils est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout puissant, Père éternel, Prince de paix. Leur a demandé, il prie Jésus, ils vont dire non. Pourtant, Jésus est le Tout-Puissant. Mais eux ne reconnaissent pas qu'il est puissant. Il est un petit dé pour eux. Dans Actes 7, 59, il lapidait Étienne. N'oubliez pas là, que pour eux autres, tu ne peux pas prier Jésus là, parce que c'est un petit dé. Hein? Puis jamais qu'ils vont prier Jésus, même s'ils sont sur le point de mourir. Pourtant, dans Actes 7, 59, et il lapidait Étienne, qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Chez les témoins de Jéhovah, ils ont modifié Actes 7, 59. Tandis qu'ils lançaient des pierres, Étienne fit la supplication. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc, selon eux, Étienne a prié Jésus, il est out. Dans 2 Corinthiens 12, 8, trois fois, j'ai prié le Seigneur. Et là, ici, c'est Paul qui parle. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je glorifiais donc bien plus volontiers mes faiblesses qu'enfin que la puissance de qui? De Christ repose en moi. Donc, Paul dit que Jésus est puissant, donc il est out. Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Jésus. C'est Jean qui a dit ça, Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc lui ici, il est éliminé. Il est out. Il n'adore pas Jésus. Non plus. Pourtant, Hébreux 1, 6. Lorsque
qu'introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, tous les anges ont adoré Jésus. Eux disent que non, ils ne pouvaient pas l'adorer. Dieu n'a pas permis aux anges de l'adorer si ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, le salut pour les témoins de Jéhovah est un chemin pas facile. Obtenir par les efforts. Il faut fréquenter toutes les réunions, se dépouiller de notre ancienne vie. C'est pour ça que vous allez entendre souvent dire, « Ben là, depuis que tu es témoin de Jéhovah, on ne parle plus. » Parce que tu faisais partie de l'ancienne vie. Celui qui veut être sauvé doit se diriger son attention et son enseignement de la parole de Dieu, celle que eux donnent. Pas celle que Dieu nous a donnée. Votre foi vous invite à faire les œuvres nécessaires à votre salut. Il s'agit de l'offrande de votre personne par le baptême. Ben, on va voir que c'est pas ça. Comme les contraires du salut de l'Évangile. Oui, nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. On fait des œuvres pas pour être sauvés. On fait des œuvres que Dieu nous donne pour avoir un bon témoignage pour lui. C'est pas pareil, je le fais pas pour le gagner. Je le fais pour rendre témoignage. Dans Éphésiens 2, le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Un don, là, c'est gratuit. Moi, si je fais un cadeau à ma fille, là, je ne demanderai pas qu'elle me donne de quoi en échange ou qu'elle me donne de quoi. J'ai fait un cadeau. J'entends rien en retour. Dieu n'attend rien en retour. Dieu attend juste que nous soyons des bons diplomates pour eux, donc des bons témoins pour eux. Et on ne fait pas ça pour le gagner le ciel, mais on fait ça pour le glorifier de lui. Donc le paradis ne se gagne pas. Maintenant, une affaire très importante pour les témoins de Jéhovah. Les 144 000 témoins. Bien, c'est de valeur, hein? Ce n'est pas vous autres. Parce qu'ils sont juifs. Ils ne sont pas témoins de Jéhovah, ils sont juifs. Apocalypse 7, le verset 4. J'attends le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau des 144 000 de toute tribu, des fils d'Israël, marqués du sceau de Dieu. Les fils d'Israël, toi, de quelle tribu viens-tu? En plus, dans Apocalypse 14, le verset 3, ils chantent des cantiques nouveaux devant le trône et devant les quatre êtres vivants et le vieillard. Les personnes qui ne pouvaient apprendre, personne ne peut apprendre les cantiques que chantent, si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est ceux qui vont témoigner lors de la tribulation. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous autres. T'es-tu marié? T'es out. T'as des enfants? T'es out. T'es pas marié, mais t'as fait l'amour déjà? Oublie ça, t'es out. Et mieux que ça, hein? Votre fondateur, là, il était marié,
Fait qu'il est out. Alors, venez à l'Évangile, l'Évangile de la parole. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et sur cette prière qui vient dire que nous sommes pécheurs, que nous reconnaissons Jésus, vous allez avoir la vie éternelle. C'est un cadeau, ça ne se gagne pas. Alors que Dieu vous bénisse.